Bonjour à tous, bienvenue sur Cuisine Erika. Aujourd'hui, je vous propose des petits toasts super originaux et surtout très bons. Donc pour réaliser la recette, il nous faudra du pain de mie, du fromage, du jambon, de la vache qui rit, des olives et enfin un emporte-pièce. C'est parti! Je vais venir commencer par prendre ma tranche de pain de mie. Alors vous appuyez bien pour bien découper le tour. Alors j'ai utilisé un emporte-pièce en forme d'étoile car c'est bientôt Noël. Mais par contre, vous pouvez prendre toutes sortes que vous souhaitez. Vous pouvez faire des toasts pour Noël, pour des repas dînatoires, pour des anniversaires, etc. Ensuite, je viens déposer de la vache qui rit sur mon étoile. Alors, vous pouvez remplacer par la vache qui rit parce que vous souhaitez du boursin, du Saint-Mauré, etc. Tous les fromages que vous souhaitez, que vous aimez le plus. Ensuite, j'ai pris une tranche d'emmental. Une tranche de blanc de poulet, donc c'est pareil, le poulet vous pouvez remplacer par de la dinde, par du jambon tout simplement. Et là, je reproduis exactement la même opération. Donc l'assemblage est terminé. Pour la fin, je viens déposer une petite olive. Donc dans mon olive, il y avait un noyau, donc je l'ai coupé en deux pour pouvoir enlever le noyau au milieu. Donc si vous avez des olives et que vous n'avez pas de noyau, vous la mettez entière directement. Et je viens piquer le tout avec un cure-dent. Voilà. Et pour la fin, comme j'avais des petites graines de pavot, je les ai déposées sur le dessus. Donc vous pouvez mettre d'autres graines, c'est pareil, vous pouvez mettre les graines que vous souhaitez. Voilà, et les petits toasts pour Noël sont terminés. Alors j'espère que ma recette ainsi que la vidéo vous aura plu. Je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos. Je vous dis à tous, bon appétit !